On n'est pas préparé à ça, Stéphane, les 12 coups de midi, évoque sa notoriété grandissante et les conséquences sur sa vie quotidienne. Dans une interview accordée à nos confrères du journal de la Haute-Marne, le désormais célèbre candidat des 12 coups de midi, Stéphane évoque sa notoriété grandissante depuis son arrivée dans l'émission de TF1. Depuis sa première victoire dans les 12 coups de midi le 20 août dernier, Stéphane est devenu un visage familier des téléspectateurs de TF1. Grâce à ses nombreuses victoires, sa cagnotte est élevée à plus de 480 000 euros. Son ascension est l'occasion pour le JHM, journal local des Hautes-Marne, dont est originaire le candidat des douze coups de midi, de lui consacrer un portrait dans lequel il revient entre autres sur sa passion pour la télévision on s'instruit comme ça, admet-il. Je ne veux pas faire état de ma notoriété. Dans ce portrait, au-delà de sa passion pour la télé, Stéphane se confie également sur sa notoriété. Lui qui est suivi par 4 millions de téléspectateurs en moyenne, j'ai moins de facilité à faire ce que je faisais avant, ça me fait super plaisir de voir les gens qui viennent me parler et me saluer, mais on n'est pas préparé à ça. Malgré sa notoriété grandissante, Stéphane préfère faire preuve de modestie, comme le confie, je ne me suis jamais trop mis en avant, même actuellement, je ne veux pas faire état de ma notoriété. Sa sœur aînée Sandrine, qui n'est pourtant pas candidate dans le célèbre jeu de TF1, est aussi reconnue lorsqu'elle va faire ses courses. C'est surprenant, avoue-t-elle. J'ai la chance d'avoir des patrons conciliants. Si aujourd'hui, Stéphane a pu participer à plus de 100 émissions des 12 coups de midi, celui qui travaille en tant qu'ouvrier d'usine dans une fonderie doit également sa participation à son patron, comme il l'a exprimé dans les colonnes de télé-loisirs le 28 novembre dernier j'ai la chance d'avoir des patrons conciliants. J'avais déjà alerté mes chefs que je pratiquais des jeux télévisés et que je pouvais être amené à être absent. Il a assuré toutefois, ils pourraient très bien me renvoyer ou m'imposer d'arrêter le jeu, ce qu'ils ne font pas. Ils sont très contents et moi, je ne les remercierai jamais assez pour ça. Et les téléspectateurs aussi auront la joie de retrouver Stéphane ce mercredi 15 décembre sur TF1.